J'ai tardé pour le manger parce que les chèvres d'Ouma, ils sont à vous. Oui. Tout ce qui est les pintades. Voilà. Les chèvres, le pont, les ânes, les chevaux, oui. Les vaches. Voilà. Vous êtes dans un autre. Depuis mon jeune âge, je ne peux pas m'en passer des bêtes. Sans les bêtes, moi, je ne peux pas vivre. Et le fromage, ça a été. Voilà, ça a été logique. C'était une cerise sur un gâteau. Bon, j'ai bien appris mon métier d'éleveur. D'accord. C'était à l'ouest, à Belabès, exactement. Et puis, en arrivant, comme tout jeune Algérien qui pensait fuir le pays, ensuite, problème de. Oui. Que j'avais parce que j'allais quitter le pays. Ça, voilà. Ça ressemble à l'histoire de Cheikh Hassanawi. Ah bon? Rabbi, finalement, depuis 2000, on est ensemble. C'est vrai? Ah, vous êtes là, bien sûr. Mais moi, j'adore ces histoires-là. Alors, ça a donné naissance à deux enfants. Ah, je suis toute émue, moi. Chaud, et puis le fromage de Saint-Amour. Le Saint-Amour, eh ben voilà. C'est super. Voilà, ah, je suis complètement émue. Voilà. Ah ben c'est super, c'est encore plus beau. C'est une très très belle histoire. Qu'est-ce que vous venez faire? J'ai une de fromage, camembert. Camembert. Fromage, je suis fou de la kibara et d'aïra. Je sais que c'est par rapport aux réseaux sociaux, ça a été notre cas aussi. Je suis fou de la vidéo, c'est une awinjan, parce que c'est une awinjan déjà. D'accord. Alors, il y a un awinjan, il y a un téléphone et un seïd. Et on dit que c'est le plateau de dégustation, je ne sais pas. Ah, il y a un dorum. Tout est fait maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Naya? Alors, on a des fromages frais. Des fromages frais. On a des fromages Hada. À pâte demi-cuite, Hadouma. Ah, demi-cuite. Légèrement pressé. Et puis, on a des bûches au poivre. On a un vieux fromage pour les gens qui aiment le goût. D'accord, le fromage fort, quand vous dites. Et puis on a des yaourts nature. Des yaourts nature. Le hada, c'est à base de lait de vache. De vache. Non, on n'a pas de chèvre. Voilà. Et bien, dis donc, vous êtes gâté. Hein? Ah, bien sûr. Ben merci. Ah bon? C'est pour ça que j'ai tout dit. Ah oui. Au village Bniyenni et plus précisément à l'hôtel Bracelet d'Argent. Bracelet d'Argent, cet hôtel existe depuis 1973, mais il a été récemment rénové. Nous avons rendez-vous avec son directeur, monsieur Dali. Il va nous parler un peu plus de cet hôtel. Suivez-moi. Monsieur Dali, ça va? Et vous? Non, très bien, ça va. Merci de nous avoir accueillis au sein de votre établissement. Vous êtes la bienvenue, madame. Alors dites-moi, c'est un hôtel qui a été rénové, il existe depuis 1973. Et donc on est à combien du chef-lieu de la wilaya d'Izéouzou? 40 km. 40 km, on est bien en haut. À 800-900 mètres d'altitude. Très bien. Donc, vous avez une dizaine de chambres, vous proposez la pension complète. C'est comme le veut le client. C'est-à-dire, on propose l'hébergement seulement, la demi-pension, la pension complète. D'accord. Là, vous êtes au restaurant. D'accord. C'est là. Bon appétit! On est haut quand même, hein? 850. D'accord.
Alors ici, donc il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est juste tout à ce niveau. Voilà. Voilà. Donc la réception, il faut pour nous, on est descendu. On a le premier. D'accord. Ah, elle est beaucoup plus spacieuse. Elle est beaucoup plus spacieuse. Hein. Bon. Ouais, non, on peut rajouter des lits pour les enfants. Super. Maintenant, c'est toujours, on a la vue, terrasse et tout. Ouais. Donc, vous êtes prévenu, à la belle com, donc vous rentrez en contact avec l'hôtel. Et, avec l'hôtel, les numéros de la réception, on va vous les communiquer. Voilà. Et, marhaba bikoum. Marhaba bikoum, anahna. Comme convenu, on vient retrouver Yasmine et le groupe pour la visite de Bni Ini et quelques villages. Et là, on se trouve au cimetière pour venir se recueillir et avoir une idée sur l'écrivain Mouloud Mamri, natif de ce village. Après la fin du dictionnaire, Kamous. On a de la langue, berbère, etc. Après Mamri, il est très connu à travers ses écrits, ses romans. En 1952, c'est l'auteur de la colline, la fameuse colline oubliée. Voilà. J'essaie d'assurer un petit circuit dans la région, histoire de faire un peu l'histoire de la région, de ses métiers, de sa culture, etc. C'est très bien, c'est voilà. Très bien. Et on vient de se recueillir sur la tombe de Del Mouloud, de l'Arhamou Mamri. Et là, et puis là je leur fais visiter la stèle de Del Mouloud aussi. Et à la bonne heure, on vient de croiser l'un des artistes de la région, Barbe Youva, qui va essayer d'agrémenter un peu le circuit. أسلمي وراش نتمورث ميغيك الخزمان أي قجل نوسى ينغث نوسمي أنوي ذا سينان الفرق يصادان لا يترون كاني في تتغني عندك الرهان اللي تتشان وسنان وثرد قيثة تصيري وسنان وثرد قيثة تصيري ينسوني يا رمكان تفور نظراني ضخمسي يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال دونك يا ميز أميز
Kabyle, à proprement parler, vient exactement de la petite Kabylie, la localité de Bniabas. La Qlaa de Bniabas. Vous savez que la Qlaa de Bniabas a rassemblé tous les métiers. Quand il y a eu l'invasion là, on a rassemblé tous les métiers, tous les artisans pour préserver les métiers. C'est nous qui avons reçu la première famille des Afabas, des Aïtabas. D'accord. Oui, et c'est-à-dire il était venu pour s'installer uniquement. Et il a sorti les premiers bijoux. Quand il avait sorti les premiers bijoux, c'était l'émerveillement. Voilà. C'est comme ça. Donc il fallait en refaire. Ça y est, c'est vendu. Donc il fallait en refaire d'autres. Il en a refait d'autres. Ça s'est vendu, ainsi de suite. Un beau jour, ça y est, il en avait marre. Et il leur a dit que je dois repartir. Chez lui, toi. Ah oui. Ah non. Tu ne repartiras pas chez toi que lorsque tu nous auras appris le métier. Ce n'est qu'un petit aperçu de... Mais on reviendra et j'espère que... L'immensité de ce créneau. Ouais, j'imagine. Non, voilà. Mais j'imagine. Et j'espère que nos téléspectateurs vont m'aider et ils viendront nous voir et vous allez leur parler de tout ça. Ben voilà. Merci beaucoup, bon courage. Avec plaisir, bonne continuation. Au revoir. Allez. Alors là, je me trouve au village Ed Dahman, où il y a le premier festival du Vornos. Alors, on dit du Avornos. Festival, c'est la première édition en fait. C'est le premier festival de Vornos. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On va porter chance. Escapade va porter chance, Inch'Allah, à ce festival. Alors, non. Le village Hala Ouindjay. Le village Hada, j'ai fait Assiusf. Assiusf, la commune Assiusf. Village Eid Hijja. La famille Afdahman. D'accord. Côté Tizi Ouzou, donc pour situer le téléspectateur. Oui. Donc, on est au sud de la Oulaye. On est à Azazga et on nous a parlé de Saïd parce qu'il fait un plat avec une spécialité assez particulière. Bonjour, monsieur Saïd. Soyez les bienvenus à Sophie Souar. C'est gentil. Marhaba, ça fait plaisir. Oui. Merci de nous recevoir. On nous parle à chaque fois, là où on va, on parle d'Azazga, oui. La bonne viande. Exactement. Mais on nous parle de Saïd, mais avec une spécialité assez particulière. Oui, c'était le michoud de chevreuil, c'est notre spécialité. Le michoud de chevreuil. On était parmi les premiers qui ont fait sa spécialité. Donc c'était vraiment, parce que c'était une bonne viande, on n'a pas beaucoup de cholestérol. Les conseillers par des médecins. Donc, on était parti depuis 2012. Ouais. C'était un peu difficile, mais maintenant, vraiment, ça marche très bien. Ah bon? Et bien sûr. Donc là, c'est l'intérieur, il est complètement meilleur. Ils ont des abonnés, donc. Ah, et bien d'Alger. Ah, oui. Ah, là, c'est très alors, bien. Alors, c'est quoi notre spécialité, comme par hasard, tu vois? Ah, bah là, oui, j'aimerais bien savoir.
Alors, la spécialité de l'Hanaïa, où est-ce que tu as M. Saïd? Je n'ai pas de message. Ah? Je n'ai pas de message. Si tu as un message, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. انا عندي كل حاجه طبقتو طبقتو بصح انا عندي سعيد فريحه سي ميور ماتيري اي مسيو سعيد nous a ouvert les portes de sa cuisine sans que mais à la balakch ana je vous ai demandé de rentrer de venir voir la cuisine c'est la transparence ah yes super bon alors on vous laisse parce que dans ta cuisine combien ouais. de clients sincèrement il y a des clients qui viennent soir un jour il y a bien un couple sont désabonnés il m'a commandé une chance Saïd, voilà, est-ce que je peux visiter votre cuisine? Je peux comprendre. Mais bien sûr, je lui dis que tu seras le bienvenu à visiter. Là, tu veux, voilà, c'est la transparence totale. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se cacher, il faut tout montrer le contraire. Bien sûr. Il faut faire quelque chose de bien. Il faut honorer notre établissement. L'établissement, c'est à te dire, avec moi, la société arrive. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est génial. Voilà. Il veut prendre le plat? Non. Il va prendre le sacrement. Voilà. Ada Tan? Oui. Ça va être une première pour moi. Mais bien sûr. Là, là. Ah, tu seras oui. bien servi, voilà. Merci, c'est gentil. Ça, c'est notre Michemin, donc tu es bien gâté. En tout cas, une souris. Une souris de gigot. Une souris de gigot. Ah, le gigot fait au plateau. Donc, un ossel, le djelf, la rouate, c'est la meilleure viande. Voilà. C'est la meilleure. Ouais. Elle est temps. Que je découvre pour la première fois. Ah ben voilà. C'est un délice. Alors là, on arrive au gîte Telitet chez Yassine. On va le découvrir ensemble. C'est un endroit merveilleux. Vous allez voir. Monsieur Yassine. Monsieur Yassine. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Il est occupé, monsieur Yassine. Bienvenue. Moucharak. Ça va, vous allez ça bien? Ça va? Ça va, ça se passe bien. Merci de nous recevoir. Désolé pour le retard. C'est pas ceci, vous avez fait saleté quand même. Oui, ça va. Ça va. Super. Mais ça vaut le coup. Hein. On a fait une balade incroyable. Toute l'équipe a adoré. C'est l'avantage d'ailleurs. Donc, c'est ce que je dis aux gens qui voudraient aller vers Tigisda. Je leur demande toujours de passer par Tigisda parce que là, ils profitent. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, oui le gîte. Bah, on est là. On est. Ça, c'est... Où déjà, t'as ça, le tas. Ça, le tas, alors qui veut dire la main du juif. Vous voyez oui. là-bas. Donc le nom ancestral, c'est Talopat, qui veut dire l'auriculaire. D'accord. Cherchant à donner un nom ancestral carrément vite, ben, j'ai regardé, j'ai dit tiens, voilà. Bah, il est juste en face. Il est juste en face, il est là, donc voilà. Alors, donc là, on fait de la restauration traditionnelle. Ah, très bien. Voilà, la cuisine, elle est de l'autre côté. Okay. Donc, on fait aussi l'hébergement traditionnel. Ah, super. Le concept, on lui a donné le nom, c'est nuiter chez mon grand-père. Et puis, il y a ceux qui préfèrent passer la nuit ici, il y a ceux qui préfèrent passer dans enfin, leur nuitée dans les maisons d'hôtes. D'accord. Il y a le bivouac. Un peu plus confortable. Un peu plus confortable. Et puis il y a le bivouac aussi. Nous avons des plateformes, nous avons deux plateformes de bivouac. Super. Et puis là, maintenant, on est en train de développer, on est en train de préparer de grandes chambres avec tout ce qui est traditionnel pour les gens qui aimeraient rester en montagne. C'est toutes les femmes qui habitent qui savent faire ça. Très bien. C'est pas sorcier non plus. C'est avec des légumes secs. D'accord. On fait couper la veille, bien sûr. Et les chauffe. Et avec du poulet. Et une aille, bien sûr, on égorge en principe un poulet. D'accord. Qu'on a élevé en principe à la maison.
Okay. C'est un poulet bio. Okay. Donc qu'on égorge le jour, enfin la veille de Inaye, et on prépare avec le couscous que tout le monde, bien sûr, dans la famille mange. On doit être en famille. C'est toute la famille qui doit être réunie. Et c'est un truc principal. C'est essentiel que la famille soit réunie. Donc c'est pour manger bien sûr le couscous taïnaïe et qu'on appelle Sksoun Svei Soufer. Il y a la cheminée, hein. Oui. Là, les chefs, là, on peut le voir, là, voilà. Pour, voilà. Super. Bon. Allez, bon appétit, voilà, pour ceux qui aiment. Franchement, je me lasse pas de ce décor incroyable. Mais comme tout a une fin, escapade spéciale Kabylie se termine ici. Mais avant tout, je voulais remercier les gens qu'on a côtoyés pour leur générosité, les remercier pour leur sourire, leur bienveillance. Mais deux choses ont attiré mon attention. C'est l'union et la solidarité entre les habitants et surtout la place de la femme qu'a dans cette société. Quant à moi, je vous retrouve vers une nouvelle destination, escapade. Salam.